suis arrivée chez Framatome après une formation en mécanique qui a duré 5 ans. Ça a commencé par une licence en mécanique et ensuite un master en mécanique aussi, plus spécialisé. J'ai été très bien accueillie par mon responsable de stage. Ensuite, j'ai rencontré l'équipe avec qui j'allais travailler. Dès le premier jour, j'ai été mise dans le bain, ça veut dire voilà les missions, voilà le sujet sur lequel tu vas travailler. J'effectue mon stage dans l'entité Direction Technique et Ingénierie. Plus précisément, je travaille dans la section Ingénierie de générateurs de vapeur et réservoirs pour les grands projets. Et dans cette section, on fait de la conception mécanique des générateurs de vapeur, des échangeurs et des réservoirs pour les grands projets, et aussi de la recherche et développement. Je trouve que mon stage est assez complet, dans le sens où j'ai été amenée en même temps à faire de la recherche et du développement, et aussi du calcul mécanique. J'ai une responsabilité, et je suis considérée comme une employée chez Framatome. Ça veut dire que je dois arriver à un résultat qui va aider l'entreprise à se développer. Et je me sens vraiment tout le temps écoutée et valorisée par rapport à mes choix. Depuis que j'ai commencé mon parcours en mécanique, j'ai remarqué le manque des femmes dans ce secteur de mécanique. Et donc, je m'attendais à peu près à la même chose en arrivant chez Framatome. Mais là, j'ai été agréablement surprise parce que j'arrive, je vois pas mal de femmes qui occupent des postes d'ingénieurs mécaniques et qui sont aussi fortes que les hommes. Ce qui me plaît vraiment dans mon stage, c'est que c'est pas du tout monotone. Ça veut dire que chaque jour, je suis face à des challenges, je suis face à des difficultés que je dois surpasser pour arriver à trouver ma solution. J'aime beaucoup ce côté où je sens que j'évolue chaque jour et ça m'aide beaucoup à avoir plus confiance en moi et de me dire que je suis prête à aller sur le marché du travail.